Nous allons parler d'un film qui tout de suite nous réjouit. Je t'en prie, je continue. Nous n'allons pas parler du même film, je pense. Il s'appelle Precious. Alors Precious, c'est l'histoire d'une petite jeune fille. Voilà. Black. Oui. Hein, pas 16 comme ans. Celle-ci, Black. Je l'ai vue, j'ai vu l'actrice l'année dernière au Festival de Cannes. Elle marchait dans la rue. Oui, j'étais tout ému. Et donc, effectivement, le film parle d'une grosse dame. Oui, mais au-delà de ça, il parle surtout donc, d'une jeune fille de 16 ans qui vient des bas quartiers du Bronx, qui est analphabète, qui est élevée plus ou moins, par une mère qui est complètement folle, qui ne sort pas de chez elle, qui ne travaille pas, qui vit des allocations. Elle a 16 ans et elle est enceinte pour la deuxième fois de son propre père. Et sa mère est en fait extrêmement jalouse de sa fille, donc de Precious, parce qu'elle lui a volé son mari. My name is Clarice Precious Jones. I want to be on the cover of a magazine. I wish I had a light-skinned boyfriend with real nice hair. But first, I want to be in one of them BET videos. You're a dummy. Don't nobody want you. Don't nobody need you. School ain't gonna help none. Take your ass down to the welfare. Ce que nous avons d'intéressant au niveau du récit, c'est que c'est vraiment très très bien écrit. C'est une adaptation du roman Push de Saphir, qui est un livre témoignage. Mais le réalisateur témoigne de certaines ellipses qui font qu'il y a réellement de réelles incompréhensions au sein même du film. Donc ça, c'est assez perturbant. Au-delà de ça, ce qui fonctionne absolument pas, c'est qu'il n'y a pas de ligne esthétique claire dans le film. What's the first thing that comes to your mind when you think about home? But you're gonna have to talk to somebody if you want your check, sweetie. On va manger une pizza? Vous mangez une pizza? On ne parlera donc pas de la présence de cette magnifique chanteuse dans le film. Quelle magnifique chanteuse! Oh, une grande chanteuse qui d'habitude a des jupes très fendues, des porte-jartelles, un décolleté encore plus plongeant que celui de Sophia Loren. Non. Elle est Grace métisse. Jones. Elle est métisse. Maria? Carré. Voilà. Maria Carré, sans maquillage, avec des Alors, cheveux Maria très Carré lisses. Dans le film qui est assez étonnante. Elle est très étonnante jusqu'à un certain moment où en fait elle est très mauvaise. Elle est surprenante parce qu'elle est très juste, très sobre, très bien. Et puis, elle ne peut pas s'empêcher de retenir certaines larmes, mais qui sont tellement appuyées que c'est juste ridicule. Nobody loves me. People do love you, Precious. Please don't love me. Nothing done nothing for me. Beat me. Make me feel worthless. Your baby loves you.